donne naissance aux données brutes recueillies en les mettant en relation avec les hypothèses émises et les objectifs poursuivis. Il s'agit d'obtenir un résultat scientifique valide. Si le résultat est négatif, les élèves sont invités à analyser les raisons. S'agit-il d'une erreur de protocole ? D'une erreur de mesure ? Faut-il se mettre en quête d'une hypothèse alternative ? C'est également pour nous, enseignants, l'occasion de montrer que la science, comme tout apprentissage, progresse aussi grâce aux erreurs, qui nous aiguillonnent pour aller encore plus loin dans notre volonté de comprendre, d'élucider et de produire des savoirs. Un petit bémol. En sciences expérimentales, les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, doivent aussi être confrontés à des résultats similaires et répliqués pour s'assurer de leur validité. Malheureusement, en situation de classe, il est parfois difficile de prendre le temps de la réplication méthodique. Nous vous invitons à entrer en dialogue avec le mentor de la classe pour définir le périmètre de faisabilité et expliquer aux élèves les distinctions entre les manières de faire expertes et les manières de faire profanes que nous adoptons en classe. En sciences humaines, le contexte dans lequel une enquête est menée est très déterminant. Il est difficile en classe de mener des enquêtes de très grande envergure, susceptibles de donner des résultats généralisables. Dans les deux cas, l'intérêt réel réside dans la modélisation d'une démarche de recherche.